Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Très heureuse de vous prendre aujourd'hui pour une vidéo express ménage du soir. Donc j'ai passé une journée où j'étais très très busy. J'ai vraiment pas fait beaucoup de choses dans la maison. Mais la maison n'est pas aussi très mal parce que j'avais fait le ménage le vendredi. Il est dimanche soir, je vais juste remettre ma maison en ordre et être sûre que tout est à sa place pour bien débuter la journée de demain, pour bien débuter la semaine demain. Alors, si vous avez le ménage à faire, jouez cette vidéo à la télé, sur votre tablette, sur votre ordinateur. On va attaquer ensemble. Ça sera très rapide. Je vais commencer par ma chambre parce que j'ai dormi. Donc, il est 18h passé, mais j'aimerais voir ma chambre bien présentable le temps que je m'occupe du salon, faire à manger et autre chose. Je vous embarque avec moi. Je ne vais pas beaucoup blablater. Puisqu'on n'a pas le temps, let's go! Comme je vous l'ai dit tantôt, le ménage de la maison était fait le vendredi. Pour les chambres, je m'étais occupée de ça le mercredi, le jeudi et le vendredi. J'ai finalisé avec le reste des ménages. Donc là, c'était juste un Sunday reset rapide le soir, le dimanche soir. Donc, comme le lit était utilisé la journée, je vais juste l'arranger. J'aime bien le voir propre avant d'aller au lit. Le lit avec les duvets cover, ça a toujours été difficile pour moi. Le housse de blanquette là, c'est tellement difficile d'avoir à introduire à l'intérieur et même ajuster au niveau du lit. Donc la couverture là où le housse de ma couverture vient de Shein, je l'ai il y a presque une année, mais c'est toujours bon. De toutes les façons, je l'utilise pas aussi beaucoup, mais c'est tellement blanc, j'aime bien. La pomme qui était dans ma chambre, c'est Josie qui était venue me servir. Mais après ça, elle va vouloir me coller jusqu'à ce que je la mettrai au dos dans la suite de la vidéo. Je passe l'aspirateur avant de passer à ma douche. Thank you.
l'intérieur de mes deux éviers était très très sale. J'avais fait le tri dans mes tiroirs là. Il y avait des choses à jeter, il y avait des choses à ranger. Donc quand je sortais des choses, je les mettais à côté là et même à l'intérieur quand il n'y avait plus d'espace. Donc c'était vraiment sale. Je vais laver avec mon Magic Eraser. J'ai bien frotté, donc les taches, les saletés, tout est parti. Concernant ma douche, c'était déjà propre. Je lave ma douche quand je prends ma douche. Voilà, comprenez la tutorie. Chaque fois que je m'y lave, je profite aussi pour laver la douche pour que ça reste toujours propre. Là, je voulais juste appliquer le gloss là pour faire briller les murs de ma douche. Je mets un peu de crème et j'applique un peu partout. J'avais eu cette crème à... J'achète ça à Lowe's. Pensée qui me monte à l'esprit et je dois vraiment partager ça avec vous. Il arrive des temps où on est juste, on se sent fatigué et débordé à cause des charges de la vie, surtout quand vous êtes une maman multitâche. Comme moi, ces derniers temps, j'ai vraiment beaucoup sur mon plat. À un moment donné, j'ai comme l'impression que c'est beaucoup trop pour moi seule. Alors, j'ai une amie, autrefois, on était même en train de parler, elle me disait comment la vie était... difficile, elle, ses enfants, elle a 3 enfants comme moi, mais son fils aîné, il a 16 ans, le deuxième, il a 12 ans, et le tout dernier, il a 7 ans, et tous les 3 enfants font le sport. Elle travaille, elle étudie, et elle doit accompagner ses enfants au sport tous les jours. Il y a le programme des week-ends, il y a aussi les cultes et dimanches. Elle a comme l'impression qu'elle se repose presque plus. Et quand elle parlait, moi, je me voyais vraiment dans le miroir et je me disais même peut-être que le temps, puisque mes enfants sont encore petits, c'est le moment où je dois beaucoup donner. Quand ils auront 10 ans, 11 ans, 12 ans, peut-être que ça sera encore facile. Et je me suis dit que le voyage est encore lent, mais quand je me sens juste épuisée, perdue, débordé, il y a ce verset biblique qui me donne la force, qui me permet de m'élever encore. C'est Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. » En tout cas, ça m'encourage beaucoup. Quand je suis débordée, je dis « Seigneur, ça c'est trop pour moi et je ne peux pas. S'il te plaît, prends ça. Prends ça, donne-moi la force. Prends ça, donne-moi la force. » C'est pas facile tous les jours. La vie des mamans, elle est vraiment difficile. Donc, je vais essuyer, je vais passer un coup de brosse dans ma toilette. D'ailleurs, je dois changer le couvercle de ma cuvette parce que c'est devenu un peu vieux. Donc, ça fait 3 ans que j'ai ce couvercle. Je dois acheter l'autre. J'avais vu ça. C'était pas du tout cher à Lowe's. Je dois acheter carrément les couvercles pour toutes mes 4 cuvettes et remplacer. Voilà, je vais essuyer, passer la brosse à l'intérieur, désinfecter et je vais continuer avec le reste du ménage. La même copine, quand elle me parlait de la fatigue, la vie de maman, comment il est débordé, je lui ai dit, quand moi je suis par exemple trop fatiguée et j'ai besoin d'une thérapie, je suis Joel Austin, c'est un pasteur américain.
Ces prédications, c'est plus les encouragements, l'espoir. Il te donne beaucoup d'espoir et tout. Et l'ami me dit, non, mais quand moi je l'écoute, j'ai comme l'impression qu'il m'aimant parce que tout ce qu'il dit, c'est pas vrai en fait. J'ai dit, la parole de Dieu, c'est parfois ça paraît comme une folie. Quand tu te sens juste perdu ou quand tu es dans une situation que tu ne peux pas contrôler, ça sert à rien de te tuer. Ça sert à rien de te casser en mille morceaux. Donne à Dieu et va dormir. Et lui-même, il va figure out. Il va handle ça pour toi. C'est ce que moi je fais quand je sais que je ne peux pas contrôler, je donne à Dieu. Et je me fous du reste, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il me donne la force, qu'il s'en occupe. Et voilà. C'est un peu ça. Donc, j'ai démarré le robot dans ma chambre. Je devais aussi effacer les écrits que Josie a mis sur ma porte. Le son, c'est tellement relaxant pour moi. Et d'ailleurs, vous m'avez vu mettre la musique. Donc, le soir, quand je suis épuisée, l'autre thérapie pour moi, c'est la musique. Soit je mets l'exhortation, soit je mets la musique. Et quand les enfants partent dormir et j'ai des choses encore à faire, là, je peux mettre mes cours audio. Donc, je peux écouter mes cours en train de finaliser avec le ménage avant d'aller au lit. Donc, je vais finir de faire la petite vaisselle rapidement, ranger les petites courses que j'avais prises le soir et puis faire le riz rapidement. Donc, on avait tous envie de manger ça avant d'aller au lit. Donc, je vais faire une recette de riz à la viande de bœuf que vous allez aimer certainement. Voilà, je voulais vous montrer les petits retours de courses que j'ai fait ce soir. Donc, j'étais à Walmart. Ça, c'est les courses de 100 dollars. J'ai pris la viande hachée que j'utilise souvent pour les pâtes des enfants. J'ai pris la viande de bœuf que je vais utiliser pour faire le riz pour tout le monde. J'ai pris ça, la viande de bœuf. Je crois que je vais utiliser ça soit pour le riz, soit je vais faire une petite sauce pour le foufou en fait. J'ai pris ce petit riz parce qu'on n'a pas de riz. Il faudra que je parte à Sam's Club pour acheter le riz. J'achète souvent le riz à Sam's Club, mais comme j'étais à Walmart, j'ai pris ça parce que c'est rapide. Mais demain, je pourrais passer par Sam's Club et je prendrai le gros sac de riz. Le savon pour la vaisselle. Mommy.
le savon pour les linges. Je commence à beaucoup aimer le savon Ariel ici parce que le Oxy ici, c'est très bon pour les habits. J'ai pris le sucre blanc, voilà, Great Value. J'ai ajouté un jus de mangue. J'ai pris le cleanser pour le corps. C'était en solde, hein, donc je me suis dit ça c'est l'opportunité. Gary, ça c'est la lotion de Cassie et Gary. J'ai pris l'huile de coco qui met dans le cheveu. J'ai pris les shrimps pour le riz. J'ai pris les épices. J'ai pris les épices. J'ai aussi pris le lime ancien. Mais le gros, je prends à Sam's Club ou bien à Ten Box. J'ai pris quelques légumes. Les carottes que l'on va commencer à manger. Un peu des tomates. Et puis de la céleri. Donc ça, c'est les courses de 100$ à Walmart. Voilà, on rentre ça rapidement. Je m'occupe des enfants et puis je vais continuer à filmer un peu plus tard. Alors, recette très très rapide. J'aimerais faire le riz avec la viande de bœuf et les pommes de terre, poivron vert, céleri, oignon et mes épices. Let's go, ça sera très facile et très express. Le riz, je n'ai pas encore nettoyé. Je pourrais les nettoyer et vous allez voir la suite. Je vais les rincer et je vais les mettre au micro-ondes pendant 10 minutes. Alors, ce que je fais est que je vais pré-cuire ma viande avec les épices et une partie d'oignons, les oignons que j'ai découpés. Je laisse un morceau d'oignon, céleri et les poivrons verts, les pommes de terre et le riz de côté. Quand la viande sera prête, je viendrai ajouter le riz que j'ai pré-cuit aussi au micro-ondes pendant 10 minutes. Donc voilà, pour pré-cuire le riz, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pré-cuit ça parce que j'étais pressée. Je voulais que ça puisse cuire rapidement pour que les enfants aillent au lit à temps. Mais si vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas obligé de pré-cuire. Ça peut toujours cuire ensemble avec les autres légumes à la vapeur. Donc, vous faites comme vous voulez. Donc, le temps que la viande est en train de cuire, je vais me débarrasser des courses et puis ranger. Les conséquences d'aller faire les courses sont vérifiées. Je vous ai dit tantôt qu'il n'y avait pas de riz. Mais quand je voulais aller mettre ça dans les jars du riz, je me suis rendu compte qu'on avait assez de riz. Vous voyez les choses comme ça?
vous dis pas combien de fois j'ai essayé de faire descendre Josie. Josie ne voulait pas. Donc, quand elle s'ennuie, elle m'amène les throw blankets pour que je la porte d'eau. Vous imaginez, j'ai essayé. Elle était au dos en train de parler, en train de chanter. Et je dis, ça, c'est quoi ça? Si tu peux parler et chanter, donc, tu n'as plus le droit de faire ça dans mon dos. Donc, la viande est prête. Je vais ajouter un peu d'huile végétale, mes légumes, les pommes de terre et le riz. Je vais bien mélanger le tout et mettre une toute petite quantité d'eau. Pas beaucoup, on ne fait pas la bouillie, hein. C'est le riz qu'on fait avec la viande. Une toute petite quantité. Et puis, ça va cuire à la vapeur les pommes de terre, les légumes et le riz. Là, je vais juste vérifier si les pommes de terre ont bien cuit. Je vais servir, je vais laisser tout le monde manger, mettre les enfants au lit. Je vais continuer à filmer un peu plus tard. Donc, avec un couteau, quand je fais passer tout doucement, vous voyez l'intérieur des pommes de terre, c'est bien cuit, c'est bien poudré. Donc, je vais bien mélanger et puis servir. C'est une très belle recette. Quand je fais pour mon mari uniquement, je n'utilise pas le poivron vert, mais plutôt le piment japonais vert là qui ne pique pas beaucoup. Mais comme je savais que les enfants devaient manger, j'ai utilisé le poivron vert. Mais je pourrais faire un short YouTube où je vais utiliser le piment japonais. Je voulais vous partager l'astuce si vous êtes débordé et vous n'avez pas beaucoup de temps pour le ménage, surtout en ce qui concerne les changements des draps de la maison et tout. Donc moi, ce que je fais actuellement, c'est que je prends un jour pour une chambre ou un jour pour un lit. Genre mercredi, je fais telle chambre, c'est-à-dire laver les draps et la lumière, laver les draps et faire le lit. Le jour suivant, je fais l'autre chambre, ainsi de suite. Donc, je m'organise comme ceci. Le mercredi, je fais la chambre de la grande. J'enlève les couvertures, je lave et je refais son lit. Ça peut commencer le matin, genre quand elle part à l'école. Moi, avant de sortir, je mets déjà ses couvertures dans la machine. Quand ça commence à tourner, je sors à moi. Quand je vais rentrer, je vais sécher et je fais son lit le soir. Et le jour suivant, je fais la chambre des guéris. Et le jour suivant, je fais mes draps. Ainsi de suite, et ça va vraiment vous faciliter la tâche. Vous allez vous rendre compte que votre ménage du samedi, ça sera juste le salon, le sol, peut-être les murs, les portes et les toilettes. Mais vous n'allez pas toucher encore au drap, vous allez juste refaire le lit, mais pas nettoyer. Donc si ça peut vous aider, tant mieux. Aujourd'hui, je fais les draps dès la grande. Je sais pas si j'ai été assez claire. Comme nous avons la chambre de la grande, la chambre des guéris et la chambre des parents, je prends mercredi pour la chambre des Cassie, jeudi pour la chambre des Gary et Josie et vendredi pour ma chambre. Et le samedi, je fais les restes des ménages. Pour la douche aussi, c'est la même chose. Par exemple, un jour de la semaine, si j'ai assez d'énergie et je pense que je peux frotter leur bathtub, je les fais. Je n'attends pas pour tout faire le même jour. J'espère que j'ai été claire. Voilà, à plus!
On continue notre vidéo. Là, c'était une petite pause où je voulais vous parler de mon organisation côté des draps, côté lit. Donc, c'est pas facile, c'est pas évident de faire tous les ménages de la maison en un seul jour. Voilà pourquoi j'essaie de subdiviser sur plusieurs jours pour m'en sortir. Presque terminé. Donc le salon, il n'y avait pas grand chose à faire, il reste le sol. Donc je vais démarrer mon robot qui va m'aider à faire le sol. Et je voulais vous montrer un truc pour les parents qui ont des petits enfants, hein. Le workbook que je prends à Dollar Tree. Donc si vous ne savez pas comment encadrer les enfants, parce que les devoirs, de toutes les façons, les devoirs que l'école donne ne sont pas vraiment suffisants pour que nos enfants soient excellents à l'école. Moi, je fonctionne avec les workbooks de Dollar Tree. Donc, ils vendent des livres pour faire travailler les enfants à la maison à 1,25 $. Et chaque fois que je passe par là, je prends des livres pour les enfants pour qu'on puisse travailler. Par exemple, ça, c'est pour que les enfants travaillent sur les nombres. Ça, c'est plus pour Gary. Il a beaucoup de lacunes. Donc, ça va beaucoup l'aider. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est assez facile. Je pense que c'est pour les pre-K. Mais pour Cassie, elle est en kindergarten. Mais je préfère utiliser le workbook de first grade pour qu'elle soit un peu plus brillante à l'école. Comme ça, ici, c'est pour la soustraction. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, on a travaillé sur la soustraction. Ça, c'est elle qui a travaillé, voyez. On explique vraiment de façon très simple pour que les enfants puissent bien comprendre. Ça, c'est elle qui a travaillé. Voyez. C'est tellement bien. Ça, ici, j'ai coupé parce que c'est ce que j'avais mis dans son sac pour qu'elle puisse montrer
à son prof qu'elle avait travaillé à la maison sur la soustraction. Parce qu'ils nous disent sur quoi ils ont travaillé pour qu'on fasse la même chose à la maison. Mais ils ne donnent pas les matériels. C'est aux parents de trouver les matériels pour faciliter l'apprentissage à l'enfant. Excusez-moi pour le bruit sur mon mari qui vient d'entrer. Vous voyez un peu les exercices comme ça. Très intéressant pour les enfants. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment bien. Ça, c'était pour la soustraction. Je vais vous montrer pour l'addition. Donc, j'achète souvent des workbooks à Dollar Tree. Quand ça finit, je pars encore faire le stock. L'addition, vous voyez. Donc, si vous voulez travailler avec les enfants à la maison, Dollar Tree a des ressources pour nous, les parents. Voilà, c'est ce que je tenais à vous montrer. Je suis fatiguée. Je dois aller dormir. Donc, je vais démarrer le robot qui va faire le sol et je vais aller. Je suis grave fatiguée. Je dois aller me reposer. Quand je suis fatiguée, je n'arrive même pas à parler. Donc, il y a le robot qui fait le travail. Le robot fait le sol. Mon salon, c'est pas mal. Vous voyez, c'est pas mal. Il n'y avait rien de grave à faire. Quand les enfants s'occupent à l'étage, ici, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Ma cuisine, elle est propre. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation. Je suis fatiguée. Bye, je vous aime. Five minus four. Cross out four. Cross out one. Two, three, four. How many left? One. Good job. So two minus one. Cross out one. Cross out. How many left? One. Good job. Right one. Good job. Down here. Four minus.